monde, on se retrouve pour un retour de course. Comme ça. Pas de problème. Super bien. Pour un retour de course Leclerc en drive, ah, là, plus de 300 euros. Oh, oui, bon, okay. Je garde plusieurs fois pour pas que ça coupe. Le niveau de gémasse. Comme d'habitude, et en plus il y a le problème partout, donc je vous montre plusieurs fois. Donc là, je vais vous montrer les boissons. Fais pas semblant, fais pas semblant. On a pris la marque repère du Fresh Thé, saveur pêche, allée de sac. J'ai pris 6 bouteilles comme ça. Je suis désolée si je fais des grands pots machin, que je suis bloquée, mais il y a les 3 chiens à mes pieds. J'ai pris de la marque Eco Plus, du cola 1,5 litre, c'est pareil. Ça, j'ai pris 12 bouteilles. Oh mince, j'ai dit les quantités. J'ai pris Pepsi 1,5 litre, 12 bouteilles aussi. Bon, cristalline 1,5 litre, mais de base, c'est un pack de 6. Hein. Donc là, le prix que vous allez voir, c'est le pack de 6. C'est parce que Mathieu m'a enlevé une bouteille. Donc j'ai pris un pack de 6 bouteilles d'eau. Ouais. Marque repère, j'ai pris de l'eau fraîche, saveur fraise, comme d'habitude, 1,5 litre, j'ai pris 10 bouteilles. Est-ce que ça, je les montre à la fin? Ouais. Ouais, ouais, mais je peux pas tout montrer à la fin, je crois. Là, par rapport à la glace. Alors, on verra. J'ai pris un pack de lait, 6 bouteilles d'un litre. Hop, je vais vous montrer le sac de chouchou. C'est pas le mien, promis. Donne le sac de chouchou. C'est pas le mien. Moi, je veux celle-là. Oui, bien sûr. Non, mais en déco. Ah, bah, tu dis à ton père qu'il est. C'est là que tu dis à ton père qu'il est. Non, 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 les filles, vous commencez pas à bouger tout, là. Mais c'est toi qui as tout bougé. Non, c'est eux. Donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer, avec modération ou avec chouchou uniquement. Alors chouchou, il a pris, c'est pour le boulot le samedi, il a pris de la cervoise, des ancêtres, bière blonde de caractère. Et c'est 75 centilitres. Il a pris une comme ça. Il a pris la divine Saint-Landelin, bière dorée. Voilà. Vous avez vu le samedi au boulot? Et là, hein, il a pris du rince cochon. Il y en a deux comme ça. C'est de la bière blonde. Il y a deux bières de cochon. Là. Il a pris deux rince cochon. Je ne montre pas la deuxième. Et la dernière, c'est la Mont Noir, la bière des Gaillards. Ça leur va bien. C'est celle-là qui est bien. Celle-là, ça leur va bien. Elle est belle en plus, à quelle les Gaillards. Ouais. Elles sont toutes belles. Ça. Et pour le boulot, il y a pris la marque Eco Plus de saucisson sec. C'est des. Attendez, parce que sinon je vais casser les canettes. Moi, c'est des 200 grammes. Bah, je sais pas, en fait, la semaine dernière, c'est Papa qui avait ramené que les chips. Et que les chips, je crois. Et là, cette semaine, c'est lui qui ramène la bière et saucisson. Voilà quoi. Hein. Donc, ça, c'est le sac de chouchou. C'est pas le mien. Et mon drive, je lui ai dit, c'est moi qui vais vous faire passer pour une alcoolo. J'enlève le sac. Ah, chouchou. En même temps, c'est ta réserve pour la journée. Hein? C'est ta réserve pour la journée. Oh, bah, punaise, si je bois toute la journée, bah, je suis. C'est un con. Hein. J'ai pris du papier toilette, marque repère, 24 rouleaux, comme d'habitude. Un paquet. J'en avais encore beaucoup, mais j'en ai repris, tant pis. Est-ce que je vous coupe ou est-ce que je vous. Je ne vous coupe pas. J'ai peur que ça bug. J'ai peur que ça bug comme moi. Du coup, allez, je vais faire dans l'ordre. Mais par contre, je vais vous montrer à la fin des articles. C'est pour une vidéo spéciale. Je peux vous les montrer parce que de toute façon, la vidéo spéciale elle sera déjà sortie avant ce retour de cours. Donc à la fin, je vous montrerai des boissons et aliments qu'on va goûter dans une vidéo. Donc là, de la marque Eco Plus, j'ai pris 3 boîtes d'œufs. Par 10, je crois que c'est Hélène Anne, si je dis pas de bêtises. T'as vu, j'ai retrouvé les Eco Plus. Donc j'en ai fait 3 boîtes. Tu m'avais dit, il n'y avait plus les œufs Eco Plus. Je les ai retrouvés. Voilà. Hop. Je les débarrasse en même temps hein, parce que c'est le bordel. Ensuite,
pommes de terre spéciale frites. C'est des 2 kilos. J'ai pris 2 paquets. Je sais, vous allez voir que je fais que ça de me baisser, mais j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas mon tabouret, il est dans la salle de bain. Et comme les filles sont sur la terrasse. De la marque Repère, j'ai pris pour Mel la prosciutto. 400 grammes mozzarella jambon cuit roquette, j'en ai pris une. J'ai pris de la marque Repère la Speck. Mozzarella jambon cru fumé, 380 grammes, j'en ai pris une. J'ai repris de la main cuche, lardon oignon fromage blanc, 350 grammes de la marque Repère, j'en ai pris deux. J'ai pris de la marque Repère deux pizzas chorizo. C'est des, combien ça, 450 grammes, j'en ai pris deux. Ensuite, du pain hot dog comme ça, marque Repère, c'est par 4, j'en ai pris 3 paquets. J'ai repris pour Mel de la marque Brossard des savanes chocolat, il y en a 7 à l'intérieur. J'ai repris de la marque Kinder les Happy Hippo, ça y est, j'aime trop, donc j'ai repris un paquet, il y en a 5 à l'intérieur. De la marque Repère, j'ai repris des cookies comme ça, 12 cookies à l'intérieur, 200 grammes. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai pris 2 paquets. Hop, je disparais et je reviens. J'ai pris de la marque Repère des galettes bretonnes comme ça. C'est 200 grammes, je crois. Attendez, non, c'est 125 grammes, rien à voir. Un paquet. Il y avait une promotion sur les suchards. Il y en a qui vont être contents. C'est des paquets, il y en a combien dedans? Il y en a 7, c'est au lait. Et du coup, il y avait une promotion sur le troisième, il me semble. Donc, j'ai pris 3 paquets. Voilà. J'ai repris de la marque Repère, de la moutarde douce. C'est un pot de 435 grammes, j'en ai pris un. Ça prévaut deux. Mayonnaise Benedicta, 510 grammes, j'en ai repris deux. Pour après. Okay. Et Amora du ketchup, 550 grammes, j'en ai repris deux. J'ai pas vu de jambon, de la poulet, saucisse. Bah si. Ensuite, on y va. Pour le sac suivant. J'ai pris de la marque Repère des pains burger par 4. C'est les géants. 330 grammes, j'ai pris 3 paquets, si je ne dis pas de bêtises. De la marque Harris, j'ai repris un pain de mie sans croûte. 20 tranches, 500 grammes, j'en ai repris un seul normalement. J'ai repris des peach chocolat. Il y en a 8 à l'intérieur. Hein? Il y en a 8 à l'intérieur, il y a 300 grammes, j'en ai repris un seul. J'ai repris de la marque Eco Plus des pains au chocolat, il y en a 10 pour 450 grammes. Là, j'ai pris de la marque Repère du fromage spécial burger chez Dark comme ça. Il y a 20 tranches à l'intérieur, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai pris 2 paquets comme ça. Ça, c'est pour mettre. Vidéo spéciale. Alors, ça aussi. Marque Eco Plus, 10 saucisses de Strasbourg, 350 grammes, c'est ça? Ouais, je crois. J'ai pris 2 paquets. Alors. J'ai pris ça, non? De la marque Eco Plus, du blanc de poulet comme ça. 4 tranches, 180 grammes, si je n'ai pas de bêtises, c'est ça. Normalement, j'ai pris 6 paquets. En fait, j'en ai déjà 4. 5, 6. J'ai repris de la marque Repère du jambon de Paris cuit à l'étouffée, 10 tranches, 400 grammes. J'ai repris un seul paquet. Ça, voyez-vous. Parce qu'il y a des fois. Voilà. Ensuite. De la marque Eco Plus, j'ai repris des champignons de Paris, 200 grammes. Et j'ai pris 3 paquets. Il y en a 2. Et là, j'ai le troisième. Hop. J'ai repris de la marque Eco Plus de la mâche pour princesse, 125 grammes. J'ai repris de la marque Eco Plus des endives pour princesse, c'est 500 grammes. Un paquet. Là, j'ai
le deuxième paquet de chez Dar. De la marque Repère, j'ai pris les mouchoirs. Parce que ça, avec les malades à la maison en ce moment, ça part très vite. Double épaisseur, il y a 110 mouchoirs blancs. J'ai repris une boîte. Voilà. Tout ça, je vous le montre après. Hop, tout ça, je vous le montre après. Ça aussi. Attendez, un suivant. Alors, pour les mémères, j'ai repris en gelée marque Purina Friskies. Les 12 sachets de 100 grammes. Il y a 4 bœufs, carottes, 4 poulets petits pois et 4 agneaux haricots verts. Comme d'habitude. Donc, j'ai pris un paquet comme ça. Alors là, il y avait une promotion encore sur la marque Repère, là, les petits pots de crème au café. C'est dommage, il n'y avait pas caramel cette fois-ci. Donc du coup, bah, j'ai profité, j'ai repris de l'eau de café. Vu qu'il n'y avait pas caramel, bah, j'ai pris café. Mais bon, ça va. Chouchou, il a aimé. Donc, j'ai repris pour les filles, parce que je leur donne ça tous les matins, chacune, les sticks au bœuf. En plus, c'est par 3 de la marque Repère. Et j'en ai pris 7 paquets pour toute la semaine. Moi, on a une nuit. Allez, croisez. J'ai repris pour les chipettes. Il n'y a plus mes croquettes de d'habitude, là, les Friskies. Donc là, j'ai pris Purina One. Junior 1 à 12 mois, poulet. 450 grammes. Ça va très vite, les petits paquets comme ça. Donc celles-ci, elles aiment beaucoup. Par contre, j'ai voulu racheter à marque Repère. Pour en mélanger, mais en fait Mimi elle est malade, donc du coup j'ai pris les croquettes pour mes bébés, un paquet. J'ai pris pour Princesse de la marque Repère des aliments complets comme ça, luzerne et carottes, 800 grammes pour lapin nain, un paquet. Et c'est combien, 800 grammes? Tu vas le voir ton verre ou pas? Non, de toute façon, il n'a plus. J'ai pris pour les chipettes des Whiskas, poulet fromage comme d'habitude, 60 grammes de boîte. Marque Eco Plus, j'ai repris de la farine de blé type 55, 1 kg. J'en ai pris 2. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Il y avait une promotion sur les Kinder Bueno, comme ça par 5. Il y avait une promotion, je crois, sur le deuxième. Du coup, j'ai pris de l'autre 5. Alors, celui-là, il est décroché. Mais du coup, j'ai pris de l'autre 5. Il y avait une promotion. Je coupe 2 secondes et je reviens. Bon, on y retourne. Il me reste 3 sacs à vous montrer. Enfin, 3 sacs plus la vidéo spéciale. Alors, c'est pas facile quand on a le bordel à la maison. J'ai repris du blanc de poulet halal comme ça. On est loin, je suis désolée. C'est 1 kg. J'ai pris 2 paquets. Marque Eco Plus, les 4 steaks hachés moelleux. C'est 4 fois 100 grammes. J'ai pris 3 paquets. J'ai pris pour Mel de la marque Nestlé les Viennois. Elle aime trop les yaourts plats. Original chocolat, il y a 12 pots à l'intérieur. Un paquet. J'ai repris de la marque Repère de l'Emmental français comme ça en morceaux, 500 grammes, j'en ai repris un. Il y avait une promotion sur les raviolis. Donc j'ai repris 2 bœufs oignons. C'est des 300 grammes. Il y avait une promotion sur les marque Repère table du monde spécial chinois, là, je sais pas quoi. Donc du coup, en fait, il y avait une promotion, je crois, sur le 3e paquet. Je crois que c'est ça. Donc du coup, j'ai pris en premier 10 mini nems. Il y a 5 au porc, 5 au poulet avec la sauce Yuknam. 220 grammes, j'ai pris comme ça, le premier paquet. Le deuxième paquet, j'ai pris 10 mini nems, 5 légumes et 5 crevettes, 220 grammes. Avec, c'est pareil, la sauce Vietnam. Et j'ai pris, du coup, le troisième, j'ai pris 6 samoussa aux crevettes curry. 200 grammes avec la sauce aigre douce. Comme ça. Voilà. J'ai repris des Kinder Pingui. Il y en a 8 à l'intérieur. Et c'est 240 grammes. Un paquet. J'ai repris de la marque Eco Plus. Un ovale double crème. 300 grammes comme d'habitude.
Il y avait une promotion, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Hein. Sur mon fromage marque repère le Carou, c'est des 220 grammes. Il y avait une promotion sur le deuxième. Du coup, j'ai reprofité et j'ai repris deux Carou. Maintenant, allez, suivant. Comme il est trop bon. Et quoi? Et des nuts. Hein? Bon, dans le sac là, il y a le deuxième sac de pommes de terre. J'ai pris de la marque Nescafé Dolce Gusto, le Longo décaféiné. C'est sûr, je l'ai. 16 dosettes. Oh, comme par hasard. Un paquet. J'ai repris de la marque Nescafé Dolce Gusto, le Grande. 16 dosettes aussi pour chouchou. Voilà. Le deuxième paquet de cookies. Un deuxième paquet de pain hot dog. Il y avait une promotion sur de la marque Nestlé, les Lions, les barres de céréales comme ça, format familial. Il y avait une promotion, ça fait longtemps que je n'en avais pas acheté à Alex. Il y en a 12 à l'intérieur, du coup j'ai profité, je lui ai pris un paquet. J'ai repris de la marque Lustucru le riz long grain incollable, 5 sachets cuisson de 1 à 2 personnes. Du coup j'ai pris un paquet. Ça c'est pour la vidéo spéciale. La vidéo spéciale. Marqué au plus coquillette 1 kg. Là, on a le troisième paquet de hot dog. On a la deuxième mayonnaise. Et on a le deuxième ketchup. Voilà pour le sac là. Je vous montre le dernier sac, donc les surgelés. Et après, je vous montre le sac de la vidéo spéciale. Et tu as filmé quand on va manger? Et je vais filmer, je vais ouvrir un vlog. Dans les surgelés de la marque Eco Plus, comme d'habitude, vous les connaissez, les nuggets de poulet 500 grammes. Par contre, je sais pas combien j'ai pris de paquets. 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Je crois qu'il y a 5 paquets, les amis. Je sais pas si. Marque Findus, les Colin Tabascope à son fish and chips original x4, une boîte. Et normalement, surgelé pour finir, il y avait une promotion sur les. La marque Pepère, les frites. Ah, c'est pas l'allumette. Ouais, c'était l'allumette, non. Ouais, sur les frites, 1 kg. Donc, il y a une promotion sur le deuxième. Donc, j'ai pris 2 paquets. Voilà. Là, je vous laisse 2 secondes. Hein? On a riposé. Et je vous montre le sac spécial. Bon. Je suis obligée de couper, je suis désolée, mais. Maintenant, le sac pour la vidéo spéciale. Donc, on va vous faire une vidéo dégustation. Des choses que normalement on n'a jamais goûté. Moi perso, il y a rien. Il n'y a rien que j'ai goûté là-dedans. Camille, je sais pas. Vu qu'elle a vu. Je pense pas aussi. Non. Bon, on verra. Peut-être Chouchou aura déjà goûté des choses, mais tant pis. Alors, il y aura 20 choses en tout. Donc, on a pris déjà du sirop carambar goût barbapapa. On n'a jamais goûté. Honnêtement, je suis pas sûre que ce soit bon. Mais bon. On va goûter. Bah oui, et du sirop. Sans colorant et sans colorant artificiel. Sans conservateur et sans colorant artificiel. Ah non, c'est bon ça. C'est 75 centilitres. On va tester. Il y avait un sac vide, je vais le mettre dedans. Ensuite, on va tester de la marque Trésor Gourmand des gaufrettes apéritives au fromage boursin ail et fines herbes. Alors moi, ça, je suis sûre que je ne vais pas aimer. Parce que j'aime pas l'ail et fines herbes. Moi, j'ai peut-être aimé. Moi, je ne vais pas aimer, c'est sûr. Ça, donc vous voyez, j'ai pas pris pour moi, hein, parce que moi, alors ça, je vais pas aimer du tout. Marque Repère Tokapi, les mini crêpes fourrées Roquefort. Ah, ça, je vais pas aimer du tout. Donc là, pour l'instant, dans les trois, à part le sirop peut-être, mais pour moi, je vais pas aimer. Bon, ça devrait aller. J'ai pris la marque Bico des Curly, donc les Curly, tout le monde y connaît. Mais là, c'est saveur émental comme ça, j'en ai jamais acheté. On va tester ça, je pense que c'est bon. Un paquet comme ça. Ensuite, on a pris la pâte à tartiner, mais Mars. Elle est belle. Parce qu'en fait, j'ai jamais goûté, moi, les trucs comme ça. Et la prochaine fois, on testera. Il y a M&M's. Snickers. Il y a Snickers. Bounty, par contre, je testerai pas parce que j'aime pas les Bounty. Okay. Il y a Maltesers. Enfin, il y en a plein, en fait. Maltesers. Mais là, j'ai dit, je prends d'abord Mars. Et tu as gardé tous les pots, ouais. Bon, peut-être, je sais pas. Ah ouais. 350 grammes. Elle pourrait acheter des mini Mars et les mettre dedans. Oh, t'es pas bête, toi. Et comme ça, tout est bien rangé dans l'armoire. Ouais, t'es pas bête, toi. Des Mars, des sneakers. Donc, on va tester. Bougies, ça doit être trop bon. Et des M&M's. Imagine la boîte M&M's. C'est trop bien. Ah, elle est trop contente, là. On va goûter aussi de la pâte à tartiner. Donc, ça, par contre, je l'ai eu en promotion. Donc, j'ai profité, je l'ai pris. C'est la marque Nestlé Dessert. Donc, ça, c'est la marque du chocolat pâtissier. Cacao, noisette, sans huile de palme.
à voir. Franchement, je suis sûre qu'elle est bonne. Ensuite, ça c'est Coco et qu'elle me l'a conseillé. Et sa fille, elle adore. Bonne maman, pâte à tartiner, noisette et cacao. Ouais. Et honnêtement, franchement, il donne trop bien. Donc pareil, il y a trois chocolats à tartiner. Toujours en bocal. À tester. Ah, là j'ai trouvé à Leclerc. J'avais jamais trouvé, mais là j'ai trouvé du miel de thym. Alors que papa, il a dit ça se trouve. Ben, j'avais déjà regardé, j'en avais pas vu. Là, j'ai fouillé tout le miel. Parce que, en fait, tout ça vient. Ça vient que, comme miel je suis malade, ouais. J'ai pris du miel. Papa, il m'a dit, faut prendre du miel de thym pour la, tous les machins. Donc, et en fait, j'en ai trouvé à Leclerc. Donc, on va goûter le miel de thym. De base, on n'est pas trop miel, hein, mais on goûtera. Ça a l'air bon, ça. On va goûter. Bon, ça devrait passer, ouais. C'est du fromage croissant. C'est quoi? C'est du... Je sais même pas. Comme du gouda, non? Bah c'est... C'est fromage tendre et fruité. Bon, je pense que ça, Chouchou, il a peut-être déjà goûté. Il y a 8 tranches. C'est la marque Folépi. Moi, j'ai jamais goûté fruité et tout. Donc, puis, je suis pas trop fromage. On va goûter. On verra bien. Voilà. Alors ça doit être pas bon du tout. La marque Chavrou, j'ai pris. C'est un fromage de chèvre, du coup. Mais là, c'est figue, noix, amande. Ça doit pas être bon. Franchement, ça me donne pas envie. Ça doit pas être bon. Là, pareil, la marque Chavrou, mais là, c'est miel thym. Donc, c'est pareil. Ça doit pas être bon. On reste dans les fromages. Là, j'ai pris des apérivrés. Parce que moi, je dis apérivrés. Apérivrés. Alors là, c'est des bouchées de fromage saveur de graisse. Ah, il y a concombre, menthe, aneth, maïs. Pardon. Désolé. Ah oh. Ça n'a pas l'air bon. Ça fait un bruit. 100 grammes. Et là, c'est... Et là, c'est le saveur d'Italie. Tomate, basilic, poivron, oignon. Bah, il a l'air un peu meilleur quand même celui-là, mais ça va pas être mon truc en fait. Vous avez vu, dans tout ce que j'ai pris, il n'y a pas grand-chose que je vais aimer. Alors là, j'ai pris de la marque Danone, les IFO, 25 grammes protéines, saveur mangue. Je connais pas les trucs comme ça. Ça fait comme du yaourt ou pas? Ouais, ça part. À la mangue. Donc on va tester. Après, bah, Le même à la fraise framboise. Fraise, moi j'aime bien les framboises. Bon, après, là, fraise, en framboise. Poisson comme ça doit être bon. Et après, ça doit être bon. Vanille cookie. Ouais, ça celui-là, il doit être trop bon. Non, moi c'est celui qui me tente la main. Ah, c'est bon, ouais. Oh, le moins c'est bon. Des morceaux. Et ensuite, on a pris des. Comment ça s'appelle C'est la marque Starbucks. Starbucks. Donc là, oh, celui-là, il doit être trop bon. C'est café frais noisette macchiato. Oh, il doit être dire latte. Trop bon. C'est pas des lattes, c'est des lattés. Il doit être trop bon. Et après, on a pris caramel macchiato. Oh, celui-là, il doit être trop bon aussi. Là, c'est le même? Non, là, c'est que noisette macchiato. Caramel macchiato. Celui-là, il doit être trop bon. Et là, c'est cappuccino. Les cappuccinos. Ça, en fait, ça pour moi, je vais aimer. Ça doit être trop bon. Là aussi, elles sont belles. Là. Ouais. Elles sont belles. Donc voilà pour ma vidéo spéciale les amis, donc vous l'aurez déjà vu, à mon avis il y a beaucoup de choses que je vais pas aimer, mais il faut et goûter. Et la glace, tu l'as mis? Et... Ah, je vous ai pas fait voir ça. Bah ouais. Mais sont où mes pots de glace? Bah on les a pas pris. Attendez, je vous ai pas fait voir les pots de glace, ils sont mis sur on les a pas pris. Mais ils sont là, t'es surgelé, tu les as déjà fait. Bah non, j'ai pas fait voir la fille. J'ai oublié de vous montrer la moitié des surgelés. Ouais. J'ai oublié de vous montrer les glaces. Heureusement que Camille elle est là. Ouais. Alors, il y avait une promotion sur les glaces Häagen-Dazs. Sur la deuxième, je crois. Donc, il y en a une qu'on va goûter avec la vidéo spéciale, en fait. Donc là, vanille pécan. Ensuite, j'ai pris une caramel. Elle est trop bonne, celle-là. T'en as pris quatre? Et ensuite, j'ai pris une cookie. Et celle qu'on va goûter certainement avec la vidéo spéciale, ça sera la beurre de cacahuète. C'est ça? Peanut. Beurre de cacahuète. Je pense que celle-là, ça va être celle dans la vidéo spéciale. J'avais oublié de vous montrer les glaces. Voilà les amis, donc pour le retour de course Leclerc. Donc pour les repas, c'est tout simple, hein. Mais je vais vous donner les 7 repas parce que j'ai pas prévu les midis. Je crois pas. Non, je vais dire vite fait. Donc j'ai prévu hamburger maison avec frites, hot dog, pizza flamen, pâte œuf, riz poisson, pain soupe fromage et poulet champignon à la crème. Il n'y a pas de repas pour le midi.
poulet frites champignons à la crème. Si, si c'est que poulet champignons à la crème, c'était bizarre. Ouais, j'ai pas fait gaffe que j'avais oublié les frites. Voilà, et les midis, bah, on se débrouillera. Il reste encore des trucs, donc on se débrouillera. Voilà, les amis, j'espère que le retour de course vous aura plu. Maintenant, on va attaquer le vlog et on va ranger. Ouais. Et en plus, j'ai un appel. Il faut que je me mouche. Soupissons.